Hey, là je peux pas dire mes petits choux parce qu'il paraît. Du coup je dis salut les petits choux. Bah les gars, ils sont voilà. Voilà. Oui les gars, quand je parle les gars, bah aujourd'hui nous avons bah, je vais vous faire bisquer. Black M les gars. C'est bon ça. Yes, on fait moins les malins là. Bon. J'ai l'impression qu'on se connaît, je sais pas pourquoi. La première fois que je te vois à la télé, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir joué avec lui, d'avoir été pote ou qu'on est de la même famille, je sais pas pourquoi. T'as ce truc là où j'ai l'impression qu'on se connaît. C'est bizarre comme question. Là tout de suite, je me rappelle pas de te connaître. Non, mais je sais. Mais ouais, peut-être c'est mon. T'as déjà eu cette impression là? Ouais, j'ai déjà eu sur un tas de gens, mais en fait. Mais pas moi. Non. Ouais. D'accord. Non, mais j'étais pas en train de tenter une approche. Hein. Bon, comment ça va? Comment tu te sens là? Fatigué, non? Un peu fatigué parce qu'on est en tournée non-stop. Et on vient de sortir une compil et je suis sur mon album et un peu fatigué. Alors justement, tu vas nous parler de tout ça en quelques secondes s'il te plaît. La compil, les chroniques du Wati Boss. Et dessus, donc, tu as un titre. Ouais, j'ai un titre solo et deux apparitions sur deux titres différents. Bah, les chroniques, si tu veux, c'est voilà, notre producteur qui a décidé de sortir une compil pour l'été pour montrer aux gens qu'on dort pas. Et en fait, c'est lui qui est parti piocher dans chaque groupe, dans Section d'Assaut, dans Maître Gims, dans moi, Shinsekai, tous les morceaux que lui, il aime bien. Donc si tu veux, il m'a soutiré un morceau de mon album et il l'a mis dans sa compil. Et on le retrouvera dans ton album ou pas? Non, on le retrouvera pas sur mon album. Ah, d'accord, c'est que du coup, c'est que des exclus. Ah, ouais, là-dessus, il y a rien que vous allez remettre dans vos albums. Non, que des gros exclus. Comment ça se passe avec The Wati Boss? Chef, oui, chef. J'entends rien. Chef, oui, chef. Fini les Wati Bizarri. Très bien, c'est même pas mon producteur, c'est mon grand frère. Il y a un sacré respect, on sent une sacrée bonne entente aussi. Dis-moi comment ça se passe Planète Rap. C'est bon de se dire je suis dans Planète Rap. Ouais, évidemment, parce que quand on était petit et on était en bas, on pouvait pas rentrer. On venait voir les autres rappeurs. Et là aujourd'hui c'est nous, on est là, donc forcément ça fait super plaisir. Comment tu expliques ce truc là? C'est quand même un truc de fou. Tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, ça cartonne. J'irai jusqu'à devant le chef d'État, lui dire en face que je pense en faire des détails. Casquette à la main. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Mon disque d'or, disque d'or, nous le disque d'or, disque d'or. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Ma direction, j'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Afrique. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Afrique. Mais ça cartonne, rien ne vous arrête, polémique ou pas, vous êtes là et encore plus fort. C'est le travail, parce que les gens ils ont l'impression qu'on est là que depuis l'école des points vitaux, depuis 2010, c'est-à-dire 2010, ouais. Alors que nous on a des années de travail, donc on connaît la musique, on sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche. Et donc tu penses avoir une recette? Il y a clairement une recette. Que je vous dévoile. Il y a clairement une recette. Les mecs, ils sont tous avec leur stylo là. Après, chacun il a sa recette, chacun a sa façon de faire. Nous, la nôtre, elle marche super bien depuis qu'on a commencé. Et voilà quoi. Chacun garde sa recette. Vidéo chat. Tu vois, qu'est-ce que tu penses des gars qui font du live? Est-ce que toi, tu as déjà voulu faire du live comme ça, appeler quand tu étais petit? Tu parlais tout à l'heure, tu pouvais pas rentrer. Est-ce que tu as déjà essayé d'appeler pour faire du freestyle à l'époque? Quand j'étais petit, j'ai appelé Skyrock. Ah, c'est bon! J'ai appelé Skyrock quand j'étais petit, mais j'ai réussi à avoir personne parce que tout le monde les appelle. Mais sinon, chat, tout ça, non, j'ai. Et maintenant, c'est eux qui t'appellent? Ouais. C'est bon ou pas?
pourquoi pas, ouais. C'est bon. Est-ce que quand tu sais, bon, parce que c'est pas la première fois que vous passez ici, section d'Asto notamment, est-ce que en sortant de Skyrock, en sortant de l'émission, est-ce que les ventes explosent? Ouais, forcément, la radio elle passe un peu partout, donc ouais, ça augmente clairement les ventes, ça nous soutient clairement, Skyrock nous soutient clairement, ça nous aide beaucoup. Big Black M pour Clip Music, les yeux plus gros que le monde, bientôt.